Bon, les amis, on va faire une petite partie. Alors, il est 14h40. On va faire une petite partie. Alors, déjà, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je viens tout juste d'installer le jeu. Je viens tout juste de commencer. C'est ma toute première fois. Auparavant, j'ai déjà joué à Fallout 3 et Fallout New Vegas. Sauf que là, ce Fallout 4. Déjà, il m'a pas l'air hyper différent, vous voyez. J'ai pas l'impression que ça a beaucoup beaucoup changé. On dirait que ça a changé un peu, mais je veux dire au niveau des graphismes, ça a pas l'air. Attends, je prends des trucs. Mais. Je sais absolument pas comment on les reprend. Pour les utiliser. Là, des cafards. Ok, on a compris. La porte. Merde, mais c'est. Je croyais qu'elle était verrouillée tout à l'heure. Ok. Attends, voir. J'aimerais juste prendre, tu sais. Clé anglaise, un truc comme ça. Non? Qu'on va se faire niquer. Bah non. Des cafards géants. C'est quoi ce bordel? Oh là là. Cafards géants. Ouais, c'est linéaire quand on suit. Pas l'air de fonctionner correctement. Bon. On va te buter. Quoi, j'ai gagné des radiations? Ok. D'accord. Non, mais je veux bien prendre tout ça, mais. Ouais, le jeu, j'ai l'impression qu'il est mal fait. Genre, on prend des trucs. Et au final. Je sais pas, j'appuie sur tous les boutons et j'ai pas d'inventaire. Ah ouais, chaud. En fait, c'est plus. Je pense qu'ils ont été attaqués. Bah voilà. Je pense que c'est plus qu'ils ont été attaqués que plutôt que. Donc Voltaire qui nous aurait. Non, moi je reviens. Si seulement j'avais une épingle à cheveux. Mais j'ai de quoi pouvoir l'ouvrir plus tard dans le jeu. Parce que là en fait je vois pas du tout. Pour la suite. Comment ça va se passer? J'en ai aucune idée là pour l'instant. Il y a sûrement un terminal quelque part. Je sais, non? Mais good! Oh! On cherche son arme. Il est vivant, là? Attends, comment je fais? C'est... Non. Imaginons, je vais frapper un. Je sais pas, je vais mettre un coupant. Comment je fais? Oh putain, y'en a tout plein. Oh là là, le bordel! Bah, je peux pas mettre des coups de poing. Je suis en train de gâcher des munitions pour rien là. Attends. Il va y avoir un moyen quand même. Ah, attends. Ben non. Attends, comment j'ai fait ça?
Ok. On va plutôt faire ça maintenant. J'ai niqué des mines pour rien. Pardon. Ah, j'en ai entendu. Est-ce que ça ramasse automatiquement? Non. Pourtant, j'entends que on gagne des points ou un truc comme ça. Parce que ça doit être complètement autre chose. Attends, on est venu par là ou pas? Si, non. On va même pas voir. Attends, bah non, je suis passé par là. Donc par là, y'a quoi? Non, attendez, attendez. Non, ça c'est le début du jeu. Bon, j'ai compris. Pip-Boy! Bah, il est mon Pip-Boy. Oh là là. Qu'est-ce qui Il s'est vient de se passé? situer, hein. Où sont tous les autres? Il y a déjà tout le temps un petit boy ou machin chouette là. Juste en aller. Parce que là franchement ça commence à être... On est là depuis 1 heure. Mais comment je fais? Franchement comment je fais? Bien dégueulasse ce que tu vas faire, mais. Ah, déjà, si les mecs sont devenus des squelettes, ça veut dire qu'il a bien dormi longtemps lui. Hein. Toujours de la batterie, mon gars. Après tant de temps. Ça fonctionnait déjà? Comment je faisais pour prendre le Pip-Boy? J'ai pas regardé. Merde. Voilà. Inventaire. Comment je vais dans l'inventaire? Mec, mais j'ai l'impression d'être nul quoi. Vas-y, va dans l'inventaire! RT. Vas-y. RT. Ça va pas. On va peut-être que c'est bloqué, hein. C'est bizarre parce que j'ai récupéré. Enfin. On va pouvoir voir à quoi ça ressemble ce petit Fallout 4. Petit Fallout. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Ah. Il n'y aura que de la nostalgie quand on va revenir. Bon, bon, bon. Genre avec la musique et tout. Ouais, c'est vrai qu'on doit prendre l'ascenseur là.
Allez. Je sais qu'on a pris énormément de temps ici. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Calme. Franchement, ça a l'air pas mal. Oh, au niveau graphique, ouais, ils sont quand même un peu améliorés comparé à Fallout 3. Y a pas, je me répète, hein, mais il n'y a pas une si grande différence, mais ça va quoi. Ouais, ça va, ça passe. Tu vois qu'il y a une différence, mais pas trop non plus. C'est pas une grosse révolution quoi, mais. Mais bon. Après, tu me diras, il y a des Call of Duty qui sortent chaque année, il n'y a pas de différence. Donc, par contre, pour le Pip-Boy. Ah, mon gros. Ah! Ah, là j'ai le droit. Ok. Bon, sauf que là ça va être. Ouais, il y aura de la radiation. Je me souviens de ça. Ça, je crois qu'on doit pouvoir les vendre, j'imagine. Bon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez nous. On va retourner là où on était. Il y avait tout plein de gens devant. Est-ce qu'on va voir leur squelette? Et ouais. Quoi qu'ils étaient plus nombreux que ça, hein. Des niveaux maintenant? Je m'en souviens plus si sur les opus précédents il y avait des niveaux ou pas. Ça me parle pas du tout. Ça va me faire penser à Assassin's Creed là. Je déteste quand il y a des niveaux, ça me prend la tête. Ça m'a bien pris la tête sur. Prenez du Radway pour restaurer notre santé. Radway, ok. Je n'ai pas d'épingle à cheveux. Peut-être chez nous on en aura. Voyons voir. C'est vite quoi. Hein. Rentrez chez vous, parlez. God Source. Ah, le petit robot là. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Tout est mort. Ils l'ont fait. Ces enfoirés, ils l'ont vraiment fait. Tout est mort. Tout est mort. Ah oui, le jardin. Les fleurs m'ont causé bien du souci, je l'admets. Ah, si seulement votre épouse était là pour vous aider. Où est-elle d'ailleurs? Ils sont entrés dans l'abri. Tu les as peut-être vus. Ils étaient armés et ils portaient des tenues étranges. J'ai juste vu qui se promenait dans son costume d'Halloween plus d'une semaine avant la date. Sincèrement, cette femme a de ses toupets laissé son enfant sans surveillance. Ce n'est pas comme votre famille, monsieur. Madame et vous avez toujours été des parents responsables. Où est-elle, d'ailleurs? Ils l'ont tuée. Monsieur, ces choses que vous dites, ces choses... Ou
pourquoi pas au charade. Sean adore ce jeu. Est-il... Sean a été kidnappé. Mais je vais le retrouver. Je vais le reprendre, mon fils. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrive quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. 200 ans ? 200 ans ? Attends, c'est sûr qu'il est mort, hein. 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes. Ah, mais quoique. Ils avaient été aussi cryogénisés comme nous. Donc, il y a moyen qu'ils soient en vie. Cotsworth, tu as un comportement un peu étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, monsieur, c'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler, ni personne à servir. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols, mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Et je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire pour polir la rouille? Qu'est-ce que tu sais, Cotsworth? J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez. Or, j'ai retrouvé cette holobande. Je pense que madame souhaitait vous en faire la surprise, mais... ce que vous savez, c'est produit. Une holobande? Du coup, c'est une vidéo. Il s'agit d'un message d'ordre privé qui vous est adressé. Mes protocoles de convenance m'empêchaient de la lire. N'importe quel lecteur de l'obande devrait vous permettre de la lire. Comme le Pip-Boy que vous avez au bras, par exemple. Il devrait parfaitement faire affaire. Bon, je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble? Peut-être... Ouais, il est un peu ennuyant, ce petit robot-là. Hein. Il ne reste plus rien. Non, allez, vas-y, casse-toi, c'est bon. Sauf que là, du coup, bah, je sais pas du tout ce que je dois faire. Hey, ça me revient. Eh mon gars. Mon gars, dis-moi un truc là. Ah, réponds là, putain. Rien ne sert de flotter sur place, monsieur. Il est bien chiant celui-ci, hein, par contre. Carburant de Mr. Andy. C'est pas toi, Mr. Andy? Cotsworth. J'attends vos instructions, monsieur. Mais attends, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. En fait, le but c'est de retrouver notre enfant, ça j'ai compris. Sauf que là, où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Franchement, là c'est bien vide. Mec, en vrai, tu peux tout prendre dans le jeu. Hein. Allez, dis-moi. Hey, Cotsworth. Je monte la garde, monsieur. Souhaitez-vous que j'active mes protocoles de recherche? Oui. D'accord. Je te suis. Je suis fier de vous servir, monsieur. Lol, allez, go. Essayer de défendre? Ah, c'est pas bien. Hein. Dans les autres Fallout, on avait des coéquipiers. Je sais pas si sur celui-ci on en aura. Aucune idée, franchement. En vrai, ça m'avait plu d'avoir des gens, vous savez, qui viennent avec vous, qui vous accompagnent. C'était plutôt cool. Là, j'ai plus l'impression que c'est que les jeux en ce moment, c'est plus ont plus tendance à favoriser la solitude un peu. Assassin's Creed, c'était pareil aussi, on pouvait avoir des coéquipiers qui traînent avec vous, qui combattent avec vous, et dans les derniers Assassins, bah, non, il n'y en avait pas, quoi.
Odyssey, Origin, il n'y avait pas du tout. Là, Fallout 4, je sais pas du tout si on aura. Je sais pas pourquoi je sens que non. Je sens que non. Bon, après ça, savoir. Hein. Évidemment, plus de télé. C'était prévisible. Épingle à cheveux, pète sa mère. Radway aussi. Je pourrais même m'en servir en vrai, mais quoique, non. Ça va, j'ai assez de points de vie. Petite nature, rocher. Bon. Qu'est-ce que tu en dis? Reprends-toi, Codsworth. J'ai besoin de ton aide. Où est-ce que je peux aller? Vous pourriez aller en ville, à Concord. C'est tout près d'ici. Mais les gens qui y habitent ne sont pas aussi osés que moi. Il reste encore des gens en vie à Concord. Oui, même s'ils sont un peu rudes. Vous vous souvenez de la route? Il faut emprunter la passerelle au sud, puis passer devant la station Red Rocket. Et donc, maintenant? Il doit bien y avoir quelqu'un qui pourra vous aider à Concord. Oh, ne vous en faites pas pour moi, monsieur, tout ira bien. Je vais juste rester ici à flotter tranquillement. Ok, mais attends. C'est au Concorde. Je connais pas, moi. Ah, ok. Attends. Carte locale. Non. Pas le marquer l'endroit. Ok. D'accord, c'est par là-bas. Par ici, on a dit qu'il n'y avait plus rien, évidemment. Putain, mais il court de que dalle, celui-là! Putain, merde, t'es nul! Est-ce que l'eau est radioactive? Ah ouais. Au moins, ça disparaît tout de suite. Bon, je vais un peu jouer le jeu en mode psychopathe, hein, je vous préviens. Parce que je vais tuer tout le monde. Sauf son gamin quand même. Oula. Oula, et toi t'es pas mort. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? T'as perdu ton maître? J'ai perdu ton maître. Il devient quoi? Il devient notre pote là? On va faire un bout de route ensemble. Hey. Allez! Ah ouais, c'est sérieux, on a des. C'est vrai là? Allez là-bas. Ah ouais, mais c'est cool! Putain, mais est-ce qu'il meurt? J'ai pas envie de le tuer. Je viens de trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Non mais attends, mais c'est génial ce chien là. Putain, il est génial. Putain, mais c'est super bien, attends. Est-ce qu'il va rester avec nous pour la radio, on s'en fiche. Est-ce que... Encore? Attends, t'es pas où?
Mais attends, mais il est sérieux ce chien, mais il est super bien. Je suis choqué un peu là. J'entends qu'il y a des ennemis. C'est pas où. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il peut mourir le chien? Putain, il y en a tout plein là. Il va se faire démonter mon chien. Les moyens. Voyons voir. Bon. On va continuer, hein. Il y avait pas grand chose, je crois, à l'intérieur. Faut mieux retourner pour être sûr. Mais non, hein. Argent d'avant-guerre, ok. Ben non. Red Rocket. Intéressant. C'est cool. Cachette des capsules, ok. Putain, mais je suis choqué. Dès le début, comme ça. Ouais, tout c'est cool, hein. Bon. Si on sort par là. C'est quoi ça? Ah, je déteste tout ce qui vole. Ils ont l'air bien résistants. Ah non, ça va. Par contre, j'ai presque plus de balles. Ouais, là-dessus, au niveau des munitions, je pense vraiment qu'il faut faire attention là, par contre. Ça peut très vite partir, donc autant faire gaffe. Laisse tomber. Concorde, ok. Bon les gars, on va faire une petite pause, histoire de terminer cette petite vidéo. Et je pense qu'on va reprendre la suite assez rapidement. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à plus!